Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le procès en appel du cardinal Barbarin s'est ouvert à Lyon ce jeudi matin. À Paris, le séminaire des Carmes fêtait ses 100 ans. Reportage dans ce journal. En Belgique, des médecins s'opposent au projet de loi qui prévoit d'élargir les conditions d'accès à l'avortement. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur le procès en appel du cardinal Barbarin. Quels enjeux pour les victimes, le diocèse de Lyon et pour l'Église en général? Pour en parler, Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne et Henrik Lindel du magazine La Vie, qui sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal avec le procès en appel du cardinal Barbarin qui a débuté ce jeudi matin à Lyon. Pour rappel, l'affaire a débuté en 2016. Elle a été d'abord classée sans suite par le tribunal de première instance. Puis cette même instance a été de nouveau saisie par les victimes, à la suite de quoi le cardinal a finalement été condamné en mars dernier pour non-dénonciation d'abus dans l'affaire Prénat. L'archevêque a donc fait appel de cette décision. À l'issue de la séance, qui a débuté ce matin à 9h sur les quais de Saône, maître Félix Luciani, l'un de ses avocats, a tenu à préciser publiquement la position du cardinal. Je crois que le cardinal, depuis le départ de cette affaire, dit la vérité. Il appartiendra à la Cour de trancher et d'indiquer si cette vérité a une qualification pénale ou pas. Vous avez bien compris que, à notre sens et de manière pour moi assez évidente, elle n'en a pas. Donc son état d'esprit est un état d'esprit qui consiste à dire qu'il n'a pas toujours pris les bonnes décisions, qu'il n'a par contre pas de culpabilité pénale, qu'il n'a jamais voulu faire obstacle à la saisine de la justice et que plus que tout, il n'a jamais souhaité couvrir des actes de pédophilie, que ce soit ceux d'un prêtre ou de quiconque. Je crois qu'aujourd'hui, on espère que justice lui sera rendue et qu'on arrête de le caricaturer. Il s'est reproché de ne pas avoir posé assez de questions à un moment donné au père Prénat. Tout cela est évident et il le dit aujourd'hui et il est évident que... Aujourd'hui, les choses sont différentes et si une situation se présente, une situation de crise, elle est gérée, comme on dit maintenant, différemment à l'heure actuelle, bien sûr. Du côté des victimes, ce procès, même s'il est long et difficile, revêt aussi son importance. Il permet en effet de prendre conscience que la tolérance zéro n'est pas gagnée. C'est vrai qu'on prône cette tolérance zéro, Benoît XVI, le pape François a prôné cette tolérance zéro et on voit que dans les diocèses, cette tolérance n'est pas mise en place. Une tolérance zéro, c'est pas une tolérance à 0,1% ou à 5%, c'est vraiment une tolérance zéro et que manifestement, il y a des vrais dérapages et qui ont des conséquences très très difficiles pour les victimes et même des victimes qui peuvent être potentiellement anciennes. On attend d'abord que... des explications qui puissent nous apaiser et qui permettent aux victimes de se dire la justice nous a écoutés, nous a entendus, et puis peut-être aussi que ça soit une étape pour un renouveau pour eux aussi, ou en tout cas quelque chose qui sera différent. Il y a un avant, un après, je pense. Et l'après, il est aussi important que l'avant et le pendant aussi. Le procès s'est donc poursuivi toute la journée. Il devrait probablement s'achever demain. Rappelons que Bernard Prénat, l'agresseur central de ce procès, n'est quant à lui toujours pas jugé. Son procès doit se tenir en janvier 2020. Mardi dernier, c'était l'anniversaire des 100 ans du séminaire des Carmes. Le séminaire a été créé en 1919. Il est situé en plein campus de l'Institut catholique de Paris, un lieu symbolique qui a d'abord été un couvent, puis une prison pendant la guerre, avant de devenir une maison de formation universitaire pour les futurs prêtres jusqu'à aujourd'hui. Nous avons suivi l'un des séminaristes le temps d'une matinée afin de découvrir son quotidien. Reportage Sophie Duchella. Il est 8 heures, ce sont les Laudes, la prière avec laquelle Loumen, 25 ans, commence chaque matin sa journée de séminariste. Originaire de Corée du Sud, il a intégré la communauté de formation il y a un an, après avoir obtenu un bac en théologie. Le diocèse de Swan envoie deux séminaristes tous les 4 ans au séminaire des Carmes pour continuer leurs études et leur formation. Quand je suis venu à Paris il y a 20 mois, en fait, j'avais du mal vraiment à... me situer dans la communauté grâce à des séminaristes et des formateurs. Ils m'ont beaucoup aidé. Dans ce sens-là.
Hormis sa diversité avec 45% d'étrangers parmi les futurs prêtres, l'autre particularité du séminaire, c'est qu'il est situé en plein cœur d'un campus à Paris. Et sur les bancs de l'ICP, toute opinion et religion se côtoient au quotidien. C'est une grande richesse pour tous, je crois, que d'étudier ensemble et de se préparer en fait à construire la théologie de demain et l'Église de demain qui se dessine dans une complémentarité des états de vie. Donc il y a une habitude de la réflexion commune, du travail en commun qui se tisse sur les bancs de la fac en quelque sorte. C'est une chance, vraiment. Je peux participer à plusieurs colloques hein, donnés par le Théologicum, mais aussi par d'autres facultés comme la faculté philosophique et la faculté de la langue étrangère. L'occasion de profiter de l'ambiance très libre. Après les cours, quelques minutes de repos autour d'un café et c'est l'heure de la messe. Des journées chargées pour les 31 séminaristes qui peuvent compter sur la présence et l'expérience de 5 prêtres formateurs pour les conseiller. Nous avons la responsabilité d'accompagner les séminaristes dans leur cheminement vers l'ordination, de les aider également à mieux se connaître. Pour moi, un prêtre, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à mettre l'autre au centre de sa vie. Et cela, ça s'apprend chaque jour un peu mieux. Avant de dire oui à Dieu, chaque séminariste passera entre 3 et 7 ans à vivre, prier et étudier dans ce lieu chargé d'histoire qui vient tout juste de fêter ses 100 ans. Et puis nous vous en parlions ce mardi. En Belgique, plus de 750 médecins, sages-femmes, infirmiers et psychologues ont signé une tribune pour exprimer leur opposition à la proposition de loi des députés sur l'avortement. Cette proposition de loi comporte 2 mesures importantes. Elle élargit les conditions d'accès à l'avortement et réduit à 48 heures le délai de réflexion pour les femmes souhaitant avorter. Christiane Tenstedt est médecin généraliste à Bruxelles et a travaillé plusieurs années en planning familial au contact des femmes en difficulté. Elle est aussi l'une des signataires de la tribune. Elle nous explique les enjeux de son geste. Je crois que tout d'un coup, des médecins se sont réveillés et se sont dit « mais qu'est-ce qui se passe là ? On voit qu'on va allonger le délai de possibilité d'avortement donc de 12-14 semaines à 18-20 semaines et qu'en plus, on réduit le délai de réflexion de 6 jours à 48 heures. Et donc ce sont 2 choses qui nous paraissaient tout à fait néfastes et non respectueux de ce geste qui n'est pas anodin. Mais je crois qu'on voudrait quand même continuer à se mobiliser parce qu'il en va aussi de la démocratie, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui, en prenant un peu de temps de réfléchir, se rendent compte que cette loi, elle est juste, je ne sais pas ce qu'il faut dire, je ne vais pas la qualifier, mais elle est inhumaine pour moi. Voilà. Et puis, dans l'actualité de l'Église, ce mercredi 27 novembre 2019, le pape François a nommé un nouvel évêque pour le diocèse flamand de Gand, en Belgique. Il s'agit du père Lode Van Eck, le père abbé de l'abbaye cistercienne de Notre-Dame d'Orval. Une nomination peu ordinaire, c'est une chose rare, en effet, dans l'histoire de l'Église en Belgique, de voir un moine trappiste devenir évêque. Nous l'avons rencontré après l'annonce de sa nomination. Il nous a confié sa réaction. J'ai été appelé par l'annonciature de façon tout à fait inattendue. Le nonce a dit, voilà, le pape vous nomme évêque. Est-ce que vous acceptez ? Et moi, j'ai dû réfléchir quand même. Parce que c'est vraiment comme si on tournait une page de sa vie de façon assez abrupte. Et je me suis dit, on ne va pas faire durer la torture. Je vais découvrir la mission. Donc c'est une aventure, bien sûr. Même s'il y a des continuités entre la fonction abbatiale et l'évêque, c'est aussi une gestion, c'est aussi beaucoup de contact avec les personnes, c'est encourager les personnes dans leurs fonctions. Je pense que ça sera un peu la même chose, mais avec la complexité d'un diocèse dans le monde actuel. Le diocèse dans lequel je suis nommé est, heureusement pour moi, un diocèse qui est très proche de ma communauté d'Orval. Après notre propre diocèse, c'était le diocèse le plus proche. Donc je ne suis pas tout à fait étranger à ma nouvelle fonction. Je viens avec la paix au cœur et avec beaucoup d'espérance, mais en sachant que je dois tout apprendre.
Et puis nous revenons sur cette terrible nouvelle pour l'armée française. Un accident entre deux hélicoptères a causé la mort lundi de 13 militaires engagés au Mali dans la région du Liptako. Ils ont été tués au cours d'une opération de combat contre des djihadistes. C'est l'un des plus lourds bilans humains pour l'armée française depuis l'attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983. Le diocèse aux armées a tenu à leur rendre hommage dans un communiqué avec ces mots. Les pensées de toute l'aumônerie rejoignent les 13 militaires français morts en opération au Mali, leurs familles, leurs camarades. Ils ont engagé leur vie pour la liberté et pour la paix. Notre prière les accompagne avec force et confiance. On retrouve maintenant la chronique du père Christian Venard. Il nous parle justement de ces 13 soldats tués au Mali. Quatorze de nos soldats sont morts au Mali ce mois-ci, dont 13 cette semaine, mardi, et nous sommes extrêmement bouleversés par cela. Un point, en tant qu'aumônier militaire, me travaille un peu dans la mesure où pourquoi faut-il attendre qu'il y en ait 13 pour qu'une telle émotion se saisisse de la France tout entière, alors que quelques jours auparavant, le 4 novembre, un de leurs camarades était déjà mort dans une quasi-indifférence. J'aimerais rappeler, comme aumônier militaire, comme camarade, frère d'armes, que une seule goutte de sang versé par un soldat français au service de son pays devrait nous émouvoir, devrait nous interroger. J'aimerais aussi rappeler cette conviction profonde qu'ont les militaires que, dans le cadre de leur mission, ils ne sont pas des victimes. Blessés ou étant allés jusqu'à l'ultime sacrifice de leur mort, ils ne sont pas, ne seront jamais des victimes, des héros, sans doute, en tout cas des hommes d'honneur qui se sont mis au service de leur pays et qui connaissaient le prix de leur engagement. Comment, comme chrétien, puisque nous parlons sur cette chaîne Catéo, comme chrétien, comment pouvons-nous apporter quelque chose dans ce drame ? Peut-être simplement en repensant à ce grand texte du Concile Vatican II qui rappelle que tous les baptisés, de par leur sacerdoce, sont appelés, avec l'aide du sacerdoce ministériel des prêtres, à faire de leur vie et de la vie du monde une immense oblation à Dieu le Père. Alors c'est le moins que nous puissions faire, par nos prières, par l'assistance au sacrifice des sacrifices qu'est la Sainte Messe, de les offrir, d'offrir leur famille, leurs proches et tout notre pays en divine oblation à Dieu notre Père. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Famille chrétienne nous propose cette semaine de fortifier l'homme intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Antoine-Marie Isoard ? Eh bien, c'est une parole de saint Paul, vous l'aurez reconnu. Je crois que c'est dans une lettre aux Éphésiens, et si ma mémoire ne me trompe pas. Et nous souhaitons, au début de l'Avent, marquer le coup avec un gros dossier de spiritualité, préparé par Théophane Leroux, entre autres, cette semaine, pour nous amener à découvrir notre vie intérieure. Alors, c'est assez compliqué, la vie intérieure, c'est pas, vous savez, ces remèdes qu'on trouve, ou ces recettes de bas étage à bas prix qu'on trouve dans les supérettes de gare, la relaxation, machin, c'est pas tout à fait ce que vous propose Famille Chrétienne cette semaine. Il est difficile de définir ce qu'est la vie intérieure. On a bien une petite idée, mais je vous donnerai juste une définition d'un monsieur qui s'appelait Bernanos, et qui disait tout simplement, et il le dira beaucoup mieux que moi, que la civilisation moderne, disait-il, est une conspiration universelle contre toute prise de vie, toute espèce de vie intérieure. Voilà. Merci beaucoup. La vie s'intéresse cette semaine aux pêcheurs de France, Henrik Lindel. Tout à fait. Nous nous intéressons à l'avenir de la pêche française, des 13 500 marins pêcheurs à nos côtes. À l'heure du Brexit et de la surpêche, donc un grand dossier avec beaucoup d'images absolument magnifiques. Et nous publions aussi un reportage sur le diocèse de Lyon qui retient son souffle à l'heure du procès du cardinal Barbarin et à l'heure des choix importants à faire. Donc des sujets à la fois économiques, politiques, sur l'avenir de la France, de l'Europe, etc., et à la fois sur l'Église. Merci beaucoup.
À la une du Pèlerin, les retraités qui travaillent encore, ceux qui ont plus de 70 ans et qui doivent travailler pour compenser la faiblesse de leur pension. Une enquête sur la désillusion qui gagne toutes les générations. Le magazine revient également sur la réforme des retraites et les grèves massives annoncées pour jeudi 5 décembre. À retenir enfin, cette semaine, les pages consacrées à Saint-Nicolas qui défile dans les rues de Nancy. Réforme met en avant l'engagement des évangéliques avec un dossier qui cherche à montrer différents visages des chrétiens engagés au service de la cité. Ces derniers étant victimes, selon les mots de Nathalie Lénart, d'une grande méconnaissance et de beaucoup de préjugés. À retenir également le grand entretien avec le pasteur Samuel Amedro et le philosophe Gaspard Koenig sur l'intelligence artificielle. Et puis pour marquer l'entrée en avant, France Catholique propose un dossier sur le renouveau avec Marie. Dans son édito, Aymeric Pourbet revient sur la visite du pape à Nagasaki et Hiroshima, rappelant que ces deux lieux ont été, avant le drame nucléaire, des lieux fondateurs pour la foi catholique au Japon, marqués par des persécutions religieuses très violentes au XVIIe siècle. Enfin, dans l'hebdo de la Croix, le Goncourt des lycéens, un prix littéraire en passe de devenir le plus important et donc le plus convoité de la rentrée littéraire selon le magazine. Pour ce prix, les écrivains acceptent d'être jaugés par des adolescents. Le magazine propose donc une immersion au cœur de l'organisation du Goncourt afin de décrypter les attentes de ces jeunes qui pour la plupart, retrouvent le goût de la lecture. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous allons revenir sur le procès en appel de Mgr Barbarin, l'archevêque de Lyon. On retrouve pour cela Antoine-Marie Isoard et Henrik Lindel. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Donc après cette première journée du procès, on va peut-être revenir d'abord sur les enjeux de ce procès en appel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, un mot pour dire que, à mes yeux, et c'est peut-être regrettable, c'est un peu pour certains et pour des médias en particulier le procès de l'Église tout entière. Et ça, je pense que c'est là qu'on ferait erreur. Il faut qu'on reste dans la procédure judiciaire. De fait, c'est un procès en appel d'un homme qui dit « je ne sais pas exactement pourquoi je suis là ». C'est ce qu'on a entendu une partie de la journée. Alors, on a entendu beaucoup ça dans les médias aujourd'hui. On a moins entendu ce que le cardinal Barbarin avait dit visiblement en se défendant, en disant qu'une quinzaine de familles à l'époque étaient au courant que lui, il n'était même pas parce qu'il n'était pas encore archevêque, que finalement, il est jugé pour un crime qu'il n'a pas connu. On sait très bien que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que le criminel, et Dieu sait si c'est un crime abominable, est répété longuement, est le père Prénat, ou maintenant Bernard Prénat. On a entendu aussi le cardinal Barbarin dire « Une victime m'a dit à l'époque, je vous attaque vous parce que je ne peux pas attaquer mon père. » Parce qu'en fin de compte, c'est le procès du temps qui passe, c'est le procès du temps qui a passé, et c'est le procès d'une omerta, c'est le procès de savoir si un homme en 2010-2015 doit dénoncer des faits qui se sont commis 20 ans plus tôt. Et c'est aussi, on aura l'occasion de le dire avec Henrik, j'imagine, c'est aussi un procès dans lequel il y aura un avant et un après pour les évêques de France, qui à mon avis sont un peu comme ça, j'oserais dire, on la pétoche, et qui ne pourront plus laisser passer un cas de prêtre pédophile. Et ça, c'est tant mieux. Au moins, ça, c'est tant mieux. Oui. Ce procès est en effet unique, et le procès en appel aussi est aussi unique. Par définition, c'est la première fois qu'on voit un cardinal qui a été obligé de se mettre en retrait pour non-dénonciation d'abus sexuels. Il y a 9 victimes d'abus sexuels qui vont réinsister là-dessus, leur besoin d'être entendus, reconnus dans leur statut de victime, demander la réparation. Ils voudront voir reconnaître l'erreur pour plusieurs raisons, les erreurs commises par le cardinal Barbarin, qui continuera à dire qu'il n'a rien fait d'illégal ou non conforme à la loi. Je ne suis pas sûr, par ailleurs, qu'on apprendra grand-chose sur le dossier, on va dire, sur le plan des faits. Je ne pense pas qu'on puisse non plus apprendre grand-chose sur le plan, on va dire, juridique, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on fait maintenant, c'est nouveau. Donc, les juristes vont continuer à débattre entre eux sur des choses plein, extrêmement techniques. Et nous aussi, en tant que journalistes, on va s'engouffrer là-dedans. Et je pense qu'il y a un risque avec ça, parce que je pense que ce n'est pas forcément notre rôle. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne sais pas si toi, tu n'es pas juriste non plus. Bon. Et on ne sait pas exactement combien de cas l'avenir nous réserve. Hein. Peut-être que c'est fini, peut-être qu'il y aura encore des scandales, on n'en sait rien. Mais on sait une chose, il y a un endroit qui est Lyon. À Lyon,
archidiocèse, un diocèse important, et eux, ils ont besoin de continuer à travailler comme une église. Ils ont besoin de continuer à fonctionner. C'est tout qui continue à fonctionner avec donc, l'administrateur apostolique qui a été nommé pendant que le cardinal Barbarin est en retraite. Il s'appelle Michel Dubost. Il était auparavant évêque à Évry. Je le connais bien puisque c'est mon diocèse, c'est un excellent évêque. Et lui, il continue à gérer. Il gère les activités. Les activités, c'est le mois missionnaire, le mois dernier par exemple en octobre, c'est les activités pour les plus démunis. C'est l'Avent, il y aura énormément d'activités. C'est le 8 décembre, jour de Marie. C'est jour de Marie, hein, je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et donc il y a plein de choses qui continuent à exister. Et il y a une église en fait, qui continue à fonctionner, il ne faut pas l'oublier. Alors, on va peut-être revenir quand même sur le procès en tant que tel. C'est un procès qui vous l'avez dit, qui est peu banal, puisque c'est le procès d'un évêque qui va peut-être payer un petit peu pour tous les crimes qui ont été commis. On a d'un côté l'homme et d'un côté l'institution, c'est ce qui était beaucoup ressorti en première instance. Qu'est-ce que ça change ? Moi, je pointe un autre risque supplémentaire et qui est apparu, entre autres, avec l'apparition la semaine dernière d'un article, d'une enquête, entre guillemets, d'un journaliste, à nouveau entre guillemets, désolé d'être aussi dur, mais un collègue qui a fait une enquête fouillée, soi-disant, sur le cardinal Barbarin, mais sur l'homme, en attaquant avec, c'est le catalogue de la redoute, des insinuations nauséabondes. Est-il homosexuel? Est-il franc-mac? Est-il d'extrême droite? Et finalement, au fil des très nombreuses pages de cet article, on découvre qu'en fin de compte, tout ça n'est que baudruche. Et moi, ma crainte, c'est qu'on fait passer finalement le cardinal Barbarin pour une victime, un martyr, ce qu'il n'est pas. Les victimes, on le sait, elles sont bien ailleurs, et je crois que les victimes doivent être prioritaires dans toute cette question-là. Et il y a eu aussi tout un combat idéologique, le cardinal est-il l'homme qui a mené la manif pour tous? Enfin, on n'est pas dans cette question-là, on n'est pas à démonter un homme, on est à savoir ce que l'Église a fait ou n'a pas fait pour lutter contre la pédophilie au sein du clergé. Donc maintenant, on se trouve un peu dans une ligne de crête entre deux choses, et c'est défendre un homme qui finalement reconnaît ses erreurs, Henrik l'a dit, reconnaît ses négligences, mais dit qu'il n'y a pas de délit, et puis surtout s'occuper des victimes, parce que c'est bien là l'essentiel. Je pense qu'il y a effectivement à nouveau un avant, un après, et on ne pourra plus couvrir de cette façon-là des actes pédophiles. Mais le cardinal Barbarin n'a pas couvert des actes à proprement parler. Il est arrivé 12, 15 ans après les actes du père Prélat. Il ne les aurait pas dénoncés dans un délai jugé normal. C'est tout à fait. Ça, c'est l'objet de ce procès. Donc, encore une fois, moi, je pense que l'enjeu, si on peut dire, aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir. Est-ce que l'Église, en général, a appris de ces nombreuses erreurs faites, pas seulement, et peut-être même pas beaucoup par le cardinal Barbarin, mais d'autres erreurs qui ont été faites dans l'Église en France et dans d'autres pays. Ceci est une très grave crise pour l'Église catholique en général. C'est une des plus graves crises qui l'afflige depuis l'époque de la Réforme, si on veut. Et ce qui se passe en France, c'est quand même, l'ampleur est moins importante en France qu'aux États-Unis, qu'au Chili, peut-être qu'en Argentine, le pays du pape, la Pologne, l'Irlande, la liste est très longue. Ce que nous vivons en France, c'est pas grand-chose finalement par rapport à ce que les Américains ont vécu. Et quand je dis pas grand-chose, je n'oublie pas la France des victimes, je dis simplement en termes de nombre de prêtres, même de cardinaux qui ont été accusés, condamnés, des centaines, voire des milliers de victimes. En France, peut-être les choses graves sont finalement, en quantité, je veux dire, moins importantes qu'ailleurs. Alors, sans vouloir peut-être comparer un procès à un autre, est-ce qu'on ne peut pas dire que le procès du cardinal Barbarin a un rôle extrêmement symbolique et qu'on a peut-être l'impression que le cardinal s'accroche à son siège alors qu'il devrait peut-être... Quand on voit en parallèle avec tous les travaux accomplis par la CIAZ pour justement les victimes, on est dans une autre époque, un autre temps en matière de gestion des abus. C'est le procès d'une époque, effectivement, et d'une époque qui est révolue. Je crois vraiment qu'il va d'une certaine façon probablement payer très cher. Je le regretterai, moi, pour l'homme, personnellement, parce qu'on sait derrière tout ce qu'il a pu faire pour Lyon. En revanche, pour l'exemple, probablement, et pour beaucoup de ses confrères, il va payer. Et ça va permettre, je l'espère, je croise les doigts ici, devant vous, que plus aucun évêque ne puisse jamais se dire « je déplace ce prêtre, je couvre tel acte, je protège l'institution ». Une fois de plus, on parle de crimes qui n'ont pas été commis
sous la responsabilité du cardinal Barbarin. Mais c'est là qu'effectivement se joue la question de la prescription, d'alerter la justice, de plaignants qui eux-mêmes ont dit « je n'ai pas averti la justice moi-même, je » et du cardinal qui aurait demandé aux plaignants d'alerter la justice. Je crois vraiment qu'il faut, une fois de plus, qu'on n'en fasse pas non plus un bouc émissaire, parce qu'on prend un vrai risque pour de déplacer le curseur et d'oublier, d'en oublier les victimes. Parce que, oui, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un risque, effectivement, que le cardinal Barbarin devienne une victime, alors qu'il a quand même commis des erreurs. Et le cardinal Barbarin est aujourd'hui une victime. Il est victime d'une chasse à l'homme. Il est victime d'une campagne de presse qui est parfaitement discutable sur le plan purement, je dirais, moral et éthique. Mais il n'est pas de toute façon qu'une victime. Aucune personne ne peut être réduite à ce seul statut-là. Alors, non, mais c'est vraiment très important parce qu'on peut être les deux à la fois. Ceci est pour moi, en tout cas, le procès de la culture du silence dans l'Église. On parle du cléricalisme, mais il n'y a pas que les cléricalistes, si ça existe, qui sont coupables de ceci. C'est l'Église comme système, c'est l'Église comme organisation, l'organisation humaine de l'Église. L'Église n'est pas qu'une organisation humaine, bien sûr, mais c'est aussi une organisation humaine qui a commis énormément de torts parce qu'elle s'est enfermée dans un système basé sur une culture de silence. Il faut en sortir. Il faut en sortir maintenant. Alors, on va devoir conclure. Peut-être un dernier mot. Qu'attendez-vous comme dénouement pour ce procès ? Alors, c'est difficile de le dire. Ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il arrive, le cardinal Barbarin devra prendre une décision, qu'il soit jugé coupable, que la peine soit aggravée ou qu'elle soit finalement réduite. Il devra prendre une décision qui sera vraisemblablement de quitter le diocèse de Lyon. Je ne le crois pas que ce soit possible pour le diocèse lui-même. Maintenant, ce que je crois vraiment, et c'est ce qu'il nous confie, on a eu vous parliez, vous, Henrik, de votre reportage à Lyon. Nous avons eu la possibilité, le privilège de rencontrer le cardinal Barbarin la semaine dernière, qui, en exclusivité, nous donne son état d'âme. Pas pour parler du procès, mais pour dire, moi, les victimes, pour moi, comptent énormément. Et surtout, maintenant, je suis devant la justice des hommes, et demain, je serai devant la justice de Dieu. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.